إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلام عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته donc on continue inshallah ta'ala aujourd'hui بعون الله سبحانه وتعالى l'explication de verset du trône آيات الكرسي donc la semaine dernière on a commencé le premier cours aujourd'hui donc on continue يقول الله عز وجل الله لا إله إلا هو Allah la ilaha illahu. On avait vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate ou dans ce verset, il a commencé par citer kalimatu tawhid, kalimatu l'islam, la parole du tawhid. Pourquoi? Parce que le tawhid, et en l'occurrence tawhid al-uluhiyya, l'unicité d'Allah azza wa jalla dans son adoration, c'est ce qu'il y a de plus important dans l'islam. Et c'est à cause de ça, comme on le répète tout le temps, qu'Allah azza wa jalla a envoyé ses envoyés, ses prophètes, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ses livres pour cela, pour concrétiser cette parole-là, la ilaha illallah, qui veut dire, comme on l'a déjà vu, la ma'bouda bi haqqin illallah, la ma'bouda haqqan illallah, il n'y a pas d'autre divinité bi haqq, méritant l'adoration à juste titre, illallah, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, awalan nafyun am, la ma'bouda bi haqqin, hada nafyun am, c'est-à-dire que c'est une négation qui est générale, qui est globale, qui n'accepte aucune exception. La ma'bouda, il n'y a pas de divinité. Il n'y a pas de divinité, le ma'boud, tout ce que l'on peut adorer. Il n'y en a pas, à juste titre. À juste titre, c'est-à-dire qui mérite l'adoration. Si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah azza wa jal nie, c'est donc une négation qui est générale et globale, nie toute adoration en dehors de lui. Tout ce qui peut être adoré en dehors de lui, Allah azza wa jal le nie de façon globale, sans une seule exception. La nabiyya mursal, wa la malak muqarrab, ou un prophète envoyé, ou même un ange qui serait proche d'Allah azza wa jal, ne mérite pas l'adoration. Alors à plus forte raison, ceux qui sont en dessous d'eux. Enam. La ma'bouda bi haqqin illallah. Illallah wa hadha ithbatun khas. Ba'd dhalik, Allah subhanahu wa ta'ala atteste et affirme. Donc c'est une attestation particulière. C'est une spécificité. Attestation particulière, attestation spécifique. Que seul qui mérite celui qui mérite l'adoration, c'est Allah azawajal. Donc l'exception ici, elle est pour Allah uniquement. C'est donc un ithbat khas, ithbatun khas, c'est-à-dire une attestation particulière, spécifique. Et la personne, pour qu'elle soit un vrai musulman, pour qu'elle applique l'islam tel qu'elle est, il faut qu'elle concrétise cette parole-là. C'est-à-dire qu'elle le concrétise de par ses actes, de par sa croyance. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire cette parole-là, la ilaha illallah, et ensuite aller auprès des tombes et adorer un autre qu'Allah Azzawajal. Faire du shirk, shirkun akbar, du grand shirk, du shirk ou du polythéisme majeur. Ou croire que certaines personnes parmi les awliya, qu'ils soient vivants ou qu'ils soient morts,
ont la capacité de faire ce que seul Allah Azzawajal a la capacité de faire, etc. Ces personnes-là qui disent « La ilaha illallah », est-ce qu'ils concrétisaient cette parole-là, ou est-ce que leur dire étant en harmonie avec leur acte? La abadan. Donc la personne qui veut réellement concrétiser cette parole-là, il faut qu'il adore personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il ne fasse aucune action de shirk, tout ce qui rentre dans le polythéisme. Et donc là, ma'bouda bi haqqin, tout ce qui va rentrer maintenant dans l'adoration, c'est-à-dire qu'on a le droit d'émettre une adoration, de faire une adoration, si ce n'est que pour Allah azawajal. Donc l'adoration est un terme qui va être général, et il rentre dedans ad-du'a, les invocations, l'istirafa, le fait de demander l'aide, at-tawakkul, le fait de placer sa pleine confiance, al-dhabh, le fait d'égorger, al-khawf, la peur, al-mahabba, etc. etc. Donc l'adoration doit être faite pour Allah uniquement. Ça c'est la ma'bouda bihaqqin Allah. C'est ma'na la ilaha illallah. C'est ma'na kalimat al-tawhid. Et c'est pour ça qu'Allah Azzawajal a d'abord commencé ce grand verset, qui est considéré donc comme le plus grand verset, comme on l'a vu d'après le hadith de Ubay ibn Ka'b. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Après, Allah Azzawajal nous a cité deux de ces noms. Al-hayyu al-qayyum. قال الشيخ شيخ السعدي قال الحي والقيوم يدلان على سائر الأسماء الحسنى مطابقة وتضمنا ولزوما. C'est-à-dire que al-hayy wal-qayyum, al-hayy que l'on traduit par le vivant, wal-qayyum que l'on traduit par celui qui subsiste par lui-même et que rien ne subsiste ou que rien ne peut subsister en dehors de lui. يدلان على سائر الأسماء الحسنى. Ils indiquent en fait tous les autres noms, tous les autres noms, tous les nobles noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit mutabaqatan, c'est-à-dire par correspondance, c'est-à-dire qu'il prouve quoi? L'entité d'Allah subhanahu wa ta'ala, dhatullah, ou tabammunan, c'est-à-dire qu'il prouve, que ce soit pour le hayy, qu'il prouve l'attribut qui est tiré de ce nom par inclusion. Pour ce qui est donc al-hayy, ce sera bien sûr al-hayat, la vie, al-hayat, la vie. Et pour ce qui est al-qayyum, ce sera al-qayyumiyya. Ça donc, c'est l'attribut. Et ensuite, wal-uzuman, comme il dit le shir, wal-uzuman, c'est-à-dire qu'on extrait les autres attributs d'Allah Azzawajal. Et c'est à partir de là, lorsqu'il dit wal-uzuman, que l'on comprend, yadullan ala sa'il al-asma al-husna. C'est-à-dire qu'il va prouver tous les autres noms. En plus du nom Allah, ou dhatullah, ou en plus de des deux attributs qui sont tirés directement par inclusion de ce nom-là, waluzuman. Et comme on a vu, al-hayy va nous indiquer tous les noms qui sont propres à l'entité divine, al-hayy. Wal-qayyum nous indique tous les noms qui sont propres à l'acte divin. Tous les noms qui sont propres à l'acte divin, al-qayyum. Et donc, si ces deux noms regroupent les deux catégories des noms ou des sifats, c'est-à-dire des attributs, alors automatiquement ils auront prouvé tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils auront indiqué tous les noms d'Allah. Qu'ils comprennent un attribut, que ces noms comprennent un attribut qui est propre à l'être divin, à l'entité divine, ou qu'ils comprennent un attribut qui est propre à quoi? À l'acte divin. Sifatun dhatiya ou sifatun fi'aliya. Et on avait dit qu'à partir de là, à partir des deux noms, de ces deux noms, c'est-à-dire après kalimat al-tawhid, Allahu la ilaha illahu, Allah Azza wa Jal va nous énumérer des preuves. Après avoir attesté cette parole qui est la parole de la vérité, kalimatul haqq, Allahu la ilaha illahu, après cela, après avoir cité cette parole-là, Allah Azza wa Jal, ensuite, durant tout le reste du verset, jusqu'à la fin du verset, il va nous apporter les preuves qui sont indiscutables. Des preuves claires et nettes qui nous prouvent cette parole-là. Allahu la ilaha illahu. C'est-à-dire qu'après avoir récité ce verset et avoir compris le sens de ces versets ou de ces paroles contenues ou de ces phrases contenues
dans ce verset, et on a vu qu'il y en avait 10 exactement, et que la première c'est donc Allahu la ilaha illahu, on va voir que les 9 autres phrases vont venir appuyer en fait cette parole-là et vont venir prouver de manière catégorique et des preuves qui sont irréfutables, quoi, cette parole-là. Et on va voir que le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, dans cette petite risala qu'il a intitulée Ayatul Kursi wa Barahin al-Tawhid, il va nous prouver en fait, ou il va nous apporter 12 preuves exactement. 12 preuves qui sont issues des 9 paroles ou des 9 phrases qui constituent après Allahu la ilaha illahu, la suite du verset du trône. 12 preuves. 12 preuves irréfutables qui viennent appuyer, qui viennent prouver de manière claire que cette parole-là est la parole de la vérité. Kalimatul Tawhid, wa kalimatul Haqq, wa kalimatul Islam. Le premier nom qui est utilisé par Allah Azzawajal dans ce verset, comme on l'a vu, c'est Al-Hayyu. Al-Hayyu, le vivant. Et donc Al-Hayyu, il comprend donc cet attribut. Il va comprendre l'attribut d'Allah Azzawajal qui est Al-Hayatu, la vie. Et on a vu que cette vie-là, c'est une vie qui est parfaite. Qui est parfaite et qui ne contient aucune imperfection. Aucune imperfection, contrairement à la vie de l'être humain. Contrairement à la vie de l'être humain. Et on va voir pourquoi ensuite Allah Azzawajal, il va continuer le verset par ce qui va suivre. Hayatun kamilatun laysat masbuqatan bi'adam wa la yalhaquha zawalun wa la fana'un. C'est-à-dire une vie qui est parfaite et qui n'a jamais été précédée par le néant, contrairement à tous les êtres, al-makhluqat, tous les êtres sans exception. Et cette vie-là ne se terminera jamais. C'est-à-dire que la fin ou l'anéantissement ne l'atteindra jamais. C'est ça en fait la vie qui est parfaite. Et c'est la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala qui donc se caractérise par ce sifat, qui se caractérise par cet attribut. Et donc à partir de là, ça va être la première preuve qu'Allah azzawajal nous cite. La première preuve qu'il nous cite à travers ce nom-là, Al-Hayyu, lorsqu'il dit Al-Hayyu, après avoir cité la parole du Tawhid. Et pourquoi cela? C'est tout simplement pour nous faire comprendre qu'il est le seul à mériter l'adoration. Comme c'est bien sûr la signification de Allahu la ilaha illahu. Et pourquoi cela? لأن الله عز وجل يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت. Il fait pleine confiance, ou donne toute ta confiance, et place toute ta confiance au vivant, au très vivant, celui qui ne meurt pas, celui qui ne meurt pas. وتوكل من أنواع العبادة. C'est-à-dire que التوكل, ça fait partie de l'adoration. C'est une adoration qui est pure et qui ne doit être faite et qui ne doit être contractée que pour Allah subhanahu wa ta'ala. وتوكل وتوكل على الحي الذي لا يموت. Et donc Al-Hayy ici, c'est celui donc qui possède cette vie qui est parfaite comme on l'a dit. Donc il est le seul à mériter l'adoration car c'est celui ou c'est lui subhanahu wa ta'ala qui détient cette vie là, contrairement à deux autres types de créatures. La première, ce qu'on appelle Al-Jamad. Al-Jamad, c'est-à-dire toute chose qui est inanimée, qui n'a pas de vie. Et c'est ce qu'adore beaucoup de gens, c'est ce qu'ils adorent lorsqu'ils adorent des statues, lorsqu'ils adorent des pierres, des choses qui n'ont pas de vie. Comment peuvent-ils en fait adorer quelque chose qui n'a même pas de vie ou qui n'a en soi aucune vie? Comment peuvent-ils adorer cela? Est-ce que ces créatures-là méritent l'adoration ou est-ce que celui qui a la vie parfaite mérite l'adoration? Ça, c'est la première preuve que nous donne Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième catégorie de créatures, Al-Hayy, ceux qui sont vivants mais qui meurent. Alladhi yamut, ceux qui meurent, et toute créature va mourir. Il n'y a pas une créature qui sera éternelle. C'est-à-dire que automatiquement Allah Azzawajal va les faire mourir, ces créatures. Toute créature va mourir. Enam, elle mourut. Et également, il n'y a pas une créature qui n'a pas eu une vie, qui n'a jamais été précédée d'un néant. Automatiquement, il y a eu un début pour chaque créature. Donc, ça c'est une preuve claire et nette que ces choses-là ou ces créatures ne méritent en aucunement une adoration. Quelle qu'elle soit, aucune adoration. Et que celui qui mérite l'adoration, donc c'est celui qui a la vie parfaite. Et c'est donc pour ça qu'Allah Azzawajal nous dit dans ce verset, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتْ. Il insiste en disant, الَّذِي لَا يَمُوتْ, qui ne meurt pas. Qui ne meurt pas. Donc une vie qui est parfaite. Et c'est pour ça ensuite qu'Allah Azzawajal, il va citer ce qui vient
ce qui est à l'opposé, ce qui va à l'encontre de quoi? De la vie. Il va en fait nous citer An-Nawm et ce qui est Akhaf min An-Nawm. Et on a vu également que à travers ce nom Al-Hayy, Allah Azza wa Jal possède tous les attributs qui sont propres à l'entité divine. Donc Al-Hayy, c'est celui qui est le parfait. Allah Azza wa Jal est parfait à travers cet attribut et est parfait à travers ce nom. Pourquoi? Parce que ça implique tous les autres noms. Ça implique tous les autres noms. C'est-à-dire qu'on va extraire tous les autres noms qui sont propres à l'entité divine par implication. Par implication même. Al-Hayyu, ça c'est la première preuve. Ensuite, la deuxième preuve, Al-Qayyum. Al-Qayyum. À travers ce deuxième nom qui nous cite Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal va nous citer en fait, ou va nous prouver et va nous apporter ou nous indiquer une deuxième preuve irréfutable, qu'il est le seul à mériter l'adoration et que seule cette parole-là vient dans son droit. Al-Qayyum. Donc comme on l'a dit en fait, c'est Kamal Rinar Rab, c'est-à-dire c'est en fait ce nom-là va prouver la richesse parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qaim binafsi, al-Ghani an khalqi. Al-Qaim binafsi, al-Ghani an khalqi. C'est-à-dire que lui-même subsiste à lui-même. Il n'a besoin de rien du tout. Il n'a besoin de personne, d'aucune de ses créatures. Ça c'est Al-Qaim binafsi. Il n'a besoin de rien, d'aucune créature, qu'on lui vienne en aide, etc. C'est Al-Qayyum. Wal-Ghani an khalqi. Il est riche de ses créatures, c'est-à-dire qu'il possède lui toutes les créatures. Alors que les créatures sont des pauvres devant lui, ont besoin d'un besoin total de lui, subhanahu wa ta'ala. Et donc à partir de là, tous les attributs propres à l'acte divin, en fait, reviennent à ce nom. Tous les attributs propres à l'acte divin vont revenir à ce nom, Al-Qayyum. Pourquoi? Parce qu'à travers ce nom, on va comprendre que Anwar al-Tadbir lillah azza wa jal, que tout en fait, toutes les catégories de la gérance du monde, de l'univers, des univers, passent par lui, subhanahu wa ta'ala, et qu'elles lui appartiennent. Que ce soit Al-Imata, le fait de donner la mort, Al-Ihya, le fait de donner la vie, Al-Rasq, le fait de pourvoir ces créatures, de leur donner ce qu'ils ont besoin, Al-Khalq, les avoir créés, et également Al-Kalam, Al-Nuzul, Al-Istiwa, tous ces attributs, en fait, vont être propres ou vont être compris dans ce nom-là, Al-Qayyum, mais qui sont tous des attributs propres à l'acte divin. Et donc, comme on le comprend, lorsqu'on dit l'acte divin, qui sont donc subordonnés et qui sont sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont sous la volonté d'Allah. Il les fait quand il veut. S'il ne veut pas les faire, il ne les fait pas. Et s'il veut les faire, il les fait. Taht iradati, taht mashi'ati, subhanahu wa ta'ala. Hada wa Al-Qayyum. Et c'est pour ça, pour comprendre encore mieux ce nom-là, qu'à travers des versets Allah Azza wa Jal, il nous donne, ou il nous prouve ce nom, ou il nous indique ce nom. Fayaqul Allah Azza wa Jal, Ya ayyuha an-nasu antumul fuqara'u ila Allah, wallahu al-ghaniyyul hamid. La première partie du verset, Ya ayyuha an-nas, tous les hommes, ô vous tous les hommes, sans exception, tous les hommes, antumul fuqara'u ila Allah, vous êtes les pauvres devant Allah, c'est vous qui avez besoin d'un besoin total d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, à partir de là, on voit qu'Allah azza wa jal huwa al-qa'im ala ghayri, c'est le seul qui va subvenir à tous les êtres. Et qu'il va en fait yudabbir kullu ma yadkhul taht mulki li ajli maslahatihim. C'est-à-dire qu'il va gérer l'univers et qu'il va ensuite subhanahu wa ta'ala à travers cette gérance-là apporter tout ce qu'ont besoin les hommes pour croître, c'est-à-dire pour grandir, pour se développer. Donc à partir de là, ils ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala de manière totale. Et sans Allah azza wa jal, jamais ils n'auraient pu vivre aslan et jamais ils n'auraient pu se développer. Donc à partir de là, ça rentre fi ma'na al-qayyum wa al-qa'im li ghayrihi, c'est-à-dire qu'il apporte tout ce dont ont besoin les autres. Il subsiste à tous les autres créatures, tout ce qui est en dehors de lui subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, Wallahu al-Ghani al-Hamid. Et donc, contrairement à vous, les créatures, Allah Azza wa Jal est le riche. Allah Azza wa Jal, Hu al-Ghani, il est le riche. Il est le riche, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que lui, Wal-Qa'im bi-Nafsi, al-Ghani al-Khalqi, il est celui qui n'a besoin d'aucune de ses créatures. Ici, Ma'na al-Qayyum,
Ici, à travers ce verset-là, on voit Ma'na al-Qayyim, on voit la signification de ce nom al-Qayyum. Et donc, maintenant, comment on va comprendre cette deuxième preuve qui nous est citée, c'est tout simplement que celui qui mérite donc, celui qui est le riche et dont tout le monde a besoin de lui. Donc comment vous maintenant, vous les êtres, vous pouvez adorer un autre en dehors d'Allah Azzawajal, qui eux-mêmes ont un besoin total devant Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne peuvent vivre ou qui ne peuvent se développer ou qui ne peuvent être présents, aslan, être présents, déjà à la base, avoir la présence si ce n'est que par Allah, que grâce à Allah. Donc comment vous pouvez vous les adorer et délaisser l'adoration d'Allah Azzawajal qui lui est le riche et qui lui subsiste à toutes ces autres créatures. À travers ce nom-là, on voit la deuxième preuve que nous rapporte Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset et qui nous prouve encore de façon claire Allahu la ilaha illa hu, que lui seul mérite l'adoration subhanahu wa ta'ala à travers ce nom-là, Al-Qayyum. Et ça de façon évidente, comme on a vu dans ce verset-là. وكما يقول الله سبحانه وتعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم. الله عز وجل nous dit dans ce verset, est-ce que celui qui observe ce que chaque âme acquiert est semblable aux associés, et pourtant il donne des associés à Allah, dis-leur nommez-les. Subhanahu wa ta'ala, subhanallah. أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ. Donc Allah Azza wa Jal, c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui observe ce que chaque âme acquiert. بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ. Ils ont mis, ou ils ont placé pour Allah Azza wa Jal, ils ont donné des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'il nous prouve ici encore une fois qu'Allah Azza wa Jal هو القيوم. وكما يقول الله سبحانه وتعالى ومن آياتي أن تقوم السماء والأرض بأمره ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. Ça encore c'est un grand verset du Coran qui nous prouve que même les plus grandes créatures, parmi les plus grandes créatures as-sama wal ard, les cieux et la terre ne peuvent tenir d'elle-même si ce n'est par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça fait partie de ces versets, wa min ayati, de ces signes subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces signes, le ciel et la terre sont maintenus par son ordre subhanahu wa ta'ala. Et ça fait partie des plus grandes créatures, parmi les plus grandes créatures, as-sama wal ard. Alors que dire de ceux qui sont en dehors de ces créatures et à qui on voue une adoration? Donc on voit de façon claire ici qu'Allah Azzawajal est le seul à mériter l'adoration subhanahu wa ta'ala. Encore une burhan, encore une preuve de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, après avoir cité ces deux noms, Allah subhanahu wa ta'ala, ou avant cela, on précise que ces deux noms sont venus dans trois endroits du Coran cités en même temps, c'est-à-dire Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Qayyum. Donc le premier passage, c'est ce qu'on vient d'étudier dans Ayat al-Kursi. Ça c'est le premier verset que l'on a étudié et qui, où Allah Azzawajal a cité ces deux noms en même temps, Al-Hayyul Qayyum. Kadhalik fi surat Ali Imran, dans les premiers versets. Alif la'amim, Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyul Qayyum. Surat Ali Imran. Là aussi Allah Azzawajal, après avoir cité Kalimat al-Tawhid, Allahu la ilaha illa hu, il nous cite Al-Hayyul Qayyum, qui sont donc deux preuves claires comme on les a expliquées et mis en évidence, qui sont deux preuves claires de l'unicité d'Allah Azzawajal. Et également, fi surat Taha, dans le verset 111, il y a pour Allah Azzawajal, وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّمُ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّمُ لِلْحَيِّ الْقَيُّمُ. Et donc là aussi, c'est un verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous indique ces deux noms en même temps, c'est-à-dire placés dans le même verset. Et les visages s'humilieront devant le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Donc ça, c'est les trois passages où Allah Azzawajal cite Al-Hayyu ou Al-Qayyum en même temps. Et comme on l'a vu, il cite également Al-Hayy Munfarid, c'est-à-dire lui-même, sans qu'il soit accompagné du mot Al-Qayyum, comme le verset que l'on a cité. Yani, « Wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut ».
Ensuite, يقول الله عز وجل لا تأخذوا سنة ولا نوم. لا تأخذوا سنة ولا نوم. والسنة هي أول النوم وبدايتي. C'est-à-dire que سنة, dans ce verset لا تأخذوا سنة ولا نوم, c'est en fait le début du sommeil. C'est le début du sommeil. C'est les premiers en fait signes du sommeil. C'est la somnolence tout simplement. Donc qui est أخف من النوم, qui est plus léger que le sommeil. Et donc, à travers ce verset-là, Allah Azza wa Jalla va nous prouver une troisième preuve. Il nous apporte maintenant la troisième preuve par rapport à son unicité. Et en fait, il faut savoir donc par rapport maintenant à ces preuves, si on s'aperçoit comment elles sont placées. يقول الشيخ عبد الرزاق وقد جاء ذكر هذه البراهين في هذه الآية مجيئا متناسقا برهانا يتلوه برهان. C'est-à-dire que la citation de ces preuves a été exposée, c'est-à-dire cette citation a été exposée de manière ou de façon harmonieuse. Et en chaque preuve suit la suivante. C'est comme en fait les perles d'un qui se trouvent dans un collier, qui se trouvent arrangées dans le fil d'un collier. Chaque perle suit en fait l'autre perle. Ici c'est pareil pour ces preuves-là. Chaque preuve va suivre l'autre preuve au fur et à mesure, tout le long en fait, jusqu'à on arrive à la fin de ce verset-là. Donc on voit la première preuve, la deuxième preuve, la troisième preuve. Des preuves sur preuves de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ces versets, ou à travers ces phrases de ce verset. Dans un premier temps, on voit ici qu'il cite directement après avoir cité Al-Hayyu ou Al-Qayyum. Pourquoi ? Parce qu'en fait ici, c'est ce qu'on appelle un nafi. Allah Azza wa Jal, il va nier un sifat. Ici même deux sifat. Il va en fait nier deux attributs qui sont en fait des attributs considérés comme des attributs yani sifat ou naqs ou al-uyub, c'est-à-dire des attributs d'imperfection. Pourquoi ? Parce que la somnolence, c'est quelque chose qui est propre aux êtres, et particulièrement à l'être humain. وَكَذَلِكَ النَّوْمِ, c'est-à-dire le sommeil. Et donc cela va aller en l'encontre de quoi ? De la vie, une vie qui est parfaite. Et ça c'est l'attribut d'Allah Azza wa Jalla, la vie parfaite. C'est-à-dire que l'homme, ou c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla, il ne peut avoir de somnolence, ou être pris de somnolence, ou de sommeil, alors qu'il est le vivant. Alors qu'il est le vivant, et que ça, cette vie-là est une vie qui est parfaite. Pourquoi ? Parce que, en fait, que ce soit la somnolence ou que ce soit le sommeil, ils vont à l'encontre de ce sifat. Parce que ce sont des imperfections. Ce sont des imperfections. Ils s'opposent donc catégoriquement à sa vie parfaite. Et c'est pour ça qu'un homme, le sommeil, il est, on le nomme également al-maut as-sarir, c'est-à-dire la mort mineure. C'est-à-dire que l'homme, lorsqu'il s'endort, c'est comme s'il mourait. C'est comme s'il mourait. C'est pour ça qu'on le nomme la mort mineure, contrairement bien sûr à la mort majeure, et qui est al-maut. Qui est al-maut. Al-maut. Al-Akbar. Et donc tout ceci, donc, lorsqu'on sait qu'on l'appelle mort, et que, mort, que ce soit une mort mineure, ici c'est donc le cas du Naum ou Sina, qui est une mort mineure, ça va à l'encontre bien sûr de la vie, et la vie qui serait parfaite, la vie qui est parfaite, la vie d'Allah Azza wa Jal qui est parfaite. Et donc l'homme, c'est l'être humain Arfouane, l'être humain qui donc est pris de cela. Et donc cela prouve que l'être humain a une vie, mais que cette vie-là est imparfaite. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, il dort, et dans un deuxième temps, il meurt. Donc c'est une vie qui est imparfaite, donc on ne peut faire aucune comparaison entre la vie d'Allah Azza wa Jalla et la vie de l'être humain. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla nie ici dans ce verset ces deux sifat. Ils sont proches les uns de l'autre, c'est-à-dire le sina ou le naum. Et donc, ici encore, on voit de manière claire que Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemble à rien à ses créatures. C'est-à-dire lorsqu'on dit que l'homme a une vie, et lorsqu'on dit qu'Allah azza wa jalla il a une vie, cette vie-là n'a rien à voir avec la vie de l'être humain, ou la vie des créatures de façon générale. La vie du créateur n'a aucune correspondance, et on ne peut faire aucune, faire aucune corrélation entre quoi ? Entre la vie du créateur et la vie de l'être humain. La vie des créatures. Pourquoi ? Parce que cette vie-là est une vie qui est parfaite et l'autre c'est une vie qui est imparfaite. Et cela dans tous les sifats d'Allah. Cela dans tous les sifats d'Allah. Les sakami filishay, wa huwa as-sami'ul basir. C'est pour ça qu'ensuite Allah Azza wa Jal, il nous a cité dans ce verset que rien ne lui ressemblait par rapport à ses attributs.
Même si on emploie le même nom au niveau du nom, qui est ici Al-Hayat Lillah ou Al-Hayat Lil-Insan, même si ces deux noms sont employés, ou le même terme est employé, mais la vérité de ce terme, pour ce qui est de l'être humain, la vérité de ce terme pour ce qui est d'Allah subhanahu wa ta'ala sont complètement différentes. Laissa kamithli shay. Laissa kamithli shay, rien ne lui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce verset qui est donc, comme je l'ai dit et je le redis, qui est la base de la compréhension des noms et des attributs d'Allah azawajal, et qui celui comprend, que la personne qui comprend ce verset d'une compréhension saine, jamais il ne tombera dans la divergence, ou jamais il ne tombera dans l'égarement pour ce qui est des noms et des attributs d'Allah azawajal, comme l'ont fait malheureusement beaucoup de sectes et beaucoup de gens en islam. C'est-à-dire, laissa kamithli shay, on fait sortir de notre esprit tout ce qui peut, tout ce que l'on connaît. Tout ce qui vient à notre esprit, on en fait en fait une, on l'épure. Tasfiya, une épuration de tout ce que l'on connaît, tout ce qu'on a pu voir, tout ce qu'on a pu s'imaginer, tout ce qui vient à l'esprit, à notre esprit, tout cela, on en fait une épuration. On le vide. Laissa kamithli shay. Rien ne ressemble à Allah azawajal. Tout ce que tu peux t'imaginer, tout ce que tu as pu voir dans ta vie, rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, wa was sami'ul basir. Après l'ithbat, ça c'est un nafi. Donc c'est une négation de toute ressemblance à l'ensemble des créatures. Wa ba'd al-ithbat, c'est-à-dire l'attestation. Wa was sami'ul basir. C'est-à-dire Allah azza wa jalla, il est l'entendant. Wa was sami'ul basir, l'entendant et le voyant, subhanahu wa ta'ala. Et ici minhaj al-Qur'an. Minhaj al-Qur'an fi al-ithbat wa al-nafi. C'est-à-dire on a la méthodologie du Coran ici à travers ce verset dans ce qui est de l'attestation et dans ce qui est de la négation. C'est-à-dire ici qu'Allah Azzawajal il nie de façon mujmel, c'est-à-dire de manière globale toute ressemblance à lui. Ça c'est de manière globale. Donc un nafi yakoud mujmel. Un nafi yakoud hunak mujmel. Nafi mujmel. C'est-à-dire une négation qui est globale. Et ensuite lorsqu'il dit « Wawas sami'ul basir » c'est-à-dire une attestation, il atteste ses noms de manière précise. Lorsqu'il cite ces deux noms, Wawas Sami'ul Basir, il cite ces deux noms, donc il atteste de manière précise quoi ? Ses noms et ses attributs. Alors qu'il, dans la première partie du verset, il nie tout ce qui peut lui ressembler de façon globale, mujmal. Fa hada nafi mujmal. Ça en fait c'est la méthodologie coranique dans l'attestation des noms et des attributs d'Allah Azzawajal et dans la négation de tout ce qui peut ressembler à ces noms. Donc une affirmation qui est précise, qui est détaillée, qui est particulière et donc une négation qui est globale. Ici une question se pose. Comment ça se fait qu'Allah Azzawajal dans ce verset là La ta'khudhu sinatun wa la nawm, il a détaillé la négation. Ici, Allah Azza wa Jalla, il nie une ressemblance à ses créatures. Et pour ce qui est de la mort et de la somnolence, qui sont des attributs propres à l'être humain, Allah Azza wa Jalla les nie pour ce qui est de son droit, pour ce qui est. Donc, on voit ici que c'est un verset qui va à l'encontre, en apparence bien sûr, de la règle générale. De la règle générale, parce qu'on a dit que la règle générale c'est al-ithbat al-mufassal ou al-nafi al-mujmal. Ici al-nafi yakun mufassal, c'est-à-dire que la négation est quoi ? Est précise. La négation ici elle est précise, elle est détaillée la négation. La ta'khudhu sinatun wa la nawm. Contrairement à tous les autres versets, laysa kamithli shay, lam yakun lahu kufuwan ahad, etc. Donc pourquoi Allah Azza wa Jalla il a détaillé ici ? Quelle est la hikma ? Quelle est en fait la sagesse ? La sagesse dans un premier temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme je l'ai dit, il prouve son unicité. Il prouve son unicité à travers ce verset. Dans un premier temps, comment il prouve son unicité ? Il prouve son unicité en informant et en mettant en évidence, en faisant apparaître que tous les êtres que vous pouvez adorer en dehors d'Allah Azza wa Jalla, ils n'ont pas une vie qui est complète. Donc ils ne peuvent mériter l'adoration. Donc celui qui est pris de sommeil, celui qui est pris de somnolence, comment peut-on l'adorer, sachant que c'est un naqs,
sachant que c'est une imperfection. Comment peut-on adorer un être qui est imparfait et délaisser l'adoration d'un être qui est parfait? C'est en fait hada wajud dilala. C'est bien sûr l'aspect argumentatif de cette preuve-là, cette preuve qui nous prouve l'unicité d'Allah Azzawajal dans l'adoration, qu'il est le seul à mériter l'adoration. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose aussi, c'est que lorsqu'Allah Azzawajal, il nie en détail des attributs qui sont dits imparfaits, qui comprennent l'imperfection, c'est en fait parce que des paroles ou les paroles des créatures sont devenues célèbres à ce sujet. Et donc Allah Azzawajal, à travers certains versets du Coran, il réfute cela, comme le fait qu'on lui ait attribué un enfant. C'est une parole qui est célèbre, une parole qui est répandue chez les gens. Subhanahu wa ta'ala. Ta'ala Allah amma yaquluna adh-dhalimun. Et donc, à partir de là, lorsque c'est une parole qui est répandue, Allah Azzawajal réfute cette parole-là. Il réfute cette parole-là. Ça fait partie aussi des sagesses de la nafi al-mufassal, c'est-à-dire de la négation détaillée par rapport aux attributs d'imperfection. Par rapport aux attributs d'imperfection et par rapport à la négation de toute ressemblance à Allah Azzawajal. Que ce soit fi dhati, dans son entité, que ce soit fi asma'i wa sifati, dans ses noms et ses attributs, ou que ce soit fi af'ali, dans ses actes. Et il faut savoir que une autre remarque que l'on fait, c'est que lorsque Allah Azzawajal il nie de façon détaillée, ce n'est pas en fait une négation qui serait pure, une négation pure. Non. Allah Azzawajal il nie pour en fait attester sa perfection. Et ça aussi c'est une autre sagesse. C'est-à-dire qu'il nie pour affirmer sa perfection. Lorsqu'Allah Azzawajal nous a d'abord cité ici dans notre exemple, dans Ayat al-Kursi, nous a cité al-Hayyu, le vivant, il a ensuite cité la ta'khudhu sinatun wa la nawm. Il a ensuite cité cette phrase-là. Et donc cette phrase-là vient nous prouver la perfection d'Allah Azzawajal. Lorsqu'on sait qu'il n'est pas pris de somnolence et qu'il n'est pas pris de sommeil, alors on connaît la perfection d'Allah Azzawajal pour ce qui est de la vie d'Allah, de son sifat al-haya. Et donc cette négation qui est ici détaillée va comprendre en fait une affirmation par rapport à sa perfection ou une attestation de sa perfection subhanahu wa ta'ala. Ça aussi c'est un point important à comprendre dans la compréhension des versets qui sont en relation avec les noms et les attributs d'Allah Azzawajal. Ensuite Allah Azzawajal yakul له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض. Ça, c'est la quatrième preuve. Donc, on a vu des preuves qui se suivent l'une après l'autre. Burhan, يتلوه برهان. La quatrième preuve. له ما في السماوات وما في الأرض. Tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre lui appartient à Allah Azza wa Jalla. Ça, c'est ce qu'on appelle al-mulk. Mulkullah subhanahu wa ta'ala, c'est la royauté d'Allah Azzawajal, une royauté qui est absolue, une royauté qui est absolue. Et donc à partir de cet attribut al-mulkulillah, on va comprendre qu'Allah Azzawajal wa al-malik, c'est-à-dire que toute chose lui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Lahu al-mulk al-mutlaq fa huwa al-malik. Lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Et donc, à partir de là, dans ce verset-là, on va comprendre que la royauté d'Allah Azzawajal est absolue. Et donc, ce que possèdent les êtres, ils ne possèdent rien de seul, d'eux seuls en fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais rien pu posséder de par leur propre biais. Et ce qu'ils possèdent, les créatures, c'est de la part d'Allah Azzawajal. Ils dépendent d'une dépendance totale d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que l'homme, lorsqu'on dit « wa malik bima'na sahib al-sayara » Sahib al-Ard, Malik al-Ard, etc. C'est-à-dire qu'il a une propriété, mais cette propriété-là n'est que relative. Pourquoi? Parce qu'elle revient à la propriété d'Allah Azzawajal. Elle revient à la propriété d'Allah Azzawajal. Et pour preuve que cette propriété-là, elle a une fin. Cette propriété-là, elle a une fin, contrairement à la propriété d'Allah Azzawajal qui n'a jamais de fin et qui n'a jamais eu de commencement. Alors que la propriété de l'être humain, elle a eu une fin, elle a eu un commencement. Elle a une fin lorsque l'homme meurt. Lorsque l'homme meurt, automatiquement, il perd tous ses biens. Tous ses biens sont détachés de lui.
automatiquement. Donc c'est une propriété qui a une fin. Ce n'est pas donc une propriété qui est absolue mais relative. Allah Azzawajal le fait sortir de cette vie d'ici-bas. Et de par cette sortie-là, automatiquement, il délaisse tous ses biens. Ou alors qu'Allah Azzawajal, de son vivant, il lui enlève tous ses biens. Qui lui enlève tous ses biens en un clin d'œil, subhanahu wa ta'ala. Donc là aussi, c'est une propriété qui s'arrête, une propriété qui disparaît, une propriété éphémère. Donc l'homme ne possède rien sauf ce qu'Allah Azzawajal lui a octroyé. Et à partir de là, c'est une preuve du tawhid. Comment peut-on adorer ce qui est dans un premier temps taht mulkillah, qui est en dessous de la royauté d'Allah Azzawajal, qui fait partie de la royauté d'Allah Azzawajal, et comment peut-on adorer ce que l'homme ou ce que la personne possède, ou adorer la personne qui possède elle des biens qui vont être éphémères, contrairement à Allah Azzawajal, dont son mulk et sa royauté ne disparaissent jamais. Donc là aussi c'est une preuve du tawhid. C'est une preuve du tawhid. Comment peut-on adorer ces créatures qui sont taht mulkillah, qui sont en dessous de sous la royauté d'Allah Azzawajal, qui font partie de la royauté d'Allah, et délaisser celui à qui appartient cette royauté, qui est une royauté absolue. Donc là encore une preuve du tawhid, et qui est la quatrième preuve ici. Allah Azzawajal, sous ce nom-là, Al-Malik, il rentre également les noms suivants, Al-Mu'ti ou Al-Mani'a, Al-Mu'ti Al-Mani'a, et qui sont des noms que l'on peut citer qu'en citant leur opposé, comme on l'a vu durant les cours aussi de Fil Asma wa Sifat. Al-Mu'ti ou Al-Mani'a, celui qui donne et celui qui empêche. Celui qui donne le bien, Al-Mu'ti, et celui qui empêche le bien qui empêche d'accéder une personne au bien, de par sa sagesse. Al-Mu'ti Al-Mani'a. Imada. Pourquoi ? Parce que tout, en fait, est sous sa royauté. Donc, il donne à qui il veut, il le reprend, ou il empêche. Al-Qabid Al-Basit. Al-Qabid Al-Basit. Celui qui retient les biens, et celui qui fait largesse de ses biens, qui fait largesse de ses biens. Également, ça rentre dans Ma'ani Al-Malik. Kadaik Al-Khafid Al-Mani'a. Al-Mu'iz Al-Mudhil. Al-Mu'iz Al-Mudhil. Celui qui gratifie de par la puissance et qui donne l'honneur, qui donne la suprématie, Al-Mu'iz. Ou Al-Mudhil, celui qui, Al-Mu'iz Al-Mudhil, celui qui avilit, celui qui déshonore et celui qui place au plus bas de l'échelle. Al-Mu'iz Al-Mudhil, Al-Mu'iz Al-Mudhil. Et comme on a vu, ces noms-là, on ne peut les citer que lorsqu'ils sont accompagnés de leur opposé. Qutu Al-Mani'a ou Al-Rafi'a, yani ce qui va avec Al-Khafid, Al-Rafi'a bien sûr. Al-Khafid Al-Rafi'a. Donc pour ce qui est de Al-Mani'a, pour ce qui est de Al-Qabid, et pour ce qui est d'Al-Khafid, et pour ce qui est de Al-Mudhil, tous ces noms-là, on n'a pas le droit en fait de les citer, sauf s'ils sont accompagnés de leur contraire. Et pendant le cas du Al-Mani'a, c'est Al-Mu'ti. Et dans le cas du Al-Qabid, c'est Al-Basit. Et dans le cas de Al-Khafid, c'est Al-Rafi'a. Et dans le cas de Al-Mudhil, c'est Al-Mu'iz. Et c'est pour ça que ces noms ne sont jamais venus dans le Coran ou la Sunna, ils ne sont jamais venus seuls. Les quatre noms qu'on en a cités, que ce soit Al-Mani'a, que ce soit Al-Qabid, que ce soit Al-Khafid, celui qui rabaisse, ou que ce soit Al-Mudhil, ils ont toujours été accompagnés de leur contraire. Enam. Et parmi les preuves, il y en a beaucoup, parmi les preuves de Al-Mulku Lillah, c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal possède la royauté absolue, il y a beaucoup de versets. Le Coran comprend beaucoup de versets. À travers ces versets, et cette phrase-là, qui est comprise dans ce verset, « Là où ma fi samawati wa ma fi l'arb », on a des preuves claires et nettes de l'unicité d'Allah Azzawajal. Parmi ces versets, « Yaqul Allah Azzawajal, قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. C'est-à-dire que dans ce verset, Allah Azzawajal nous dit, d'après le sens, ou d'après la traduction du sens, dit, invoquez ceux qu'en dehors d'Allah vous prétendez. Ils prétendaient être des divinités. Ils ne possèdent même pas le poids d'un atome. Ni dans les cieux, ni sur la terre. Ils n'ont jamais été associés à leur création. Il n'y a personne parmi eux pour le soutenir. Donc à travers ce verset-là, Allah Azzawajal nous prouve qu'il ne possède rien, ce que vous en dehors de lui. Il ne possède rien, de seul, c'est-à-dire en étant indépendant,
en étant indépendants de toute autre personne. Ils ne possèdent rien d'eux-mêmes. Et également, ils ne possèdent rien en étant dépendants, c'est-à-dire en étant en association avec autrui. Dans les deux cas, ils ne possèdent rien. Donc comment pouvez-vous adorer ces gens-là? Comment vous pouvez adorer ces créatures-là? ويقول الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Dit Allah, ou dit ô Allah, maître de l'autorité absolue, l'autorité absolue, al-mulku lillah. Dit ô Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux, tu donnes l'autorité à qui tu veux. تؤتي الملك من تشاء عفوا قل اللهم مالك مالك الملك مالك الملك c'est-à-dire maître de l'autorité absolue. نعم قل اللهم مالك الملك maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux. تؤتي الملك من تشاء, donc cette autorité là tu la donnes à qui tu veux, c'est une autorité, une royauté qui est relative. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء, et tu l'enlèves, tu la dépossèdes, cette autorité ou cette royauté. Et tu l'arraches, l'autorité, à qui tu veux. Et tu donnes la puissance à qui tu veux et tu humilies qui tu veux. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Biyadika al-khayr. Kulli shay yarja ilayk. Kulli shay yarja ilayk. Chaque chose revient à toi, subhanahu wa ta'ala. Innaka 'ala kulli shay'in qadir. Donc ça, c'est une preuve claire et nette de l'unicité d'Allah Azza wa Jalla, et que la royauté n'est qu'une royauté relative pour les hommes. Que ce soit pour les hommes ou toute autre créature. Et donc personne ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah Azzawajal. Malik al-Mulk, celui qui détient l'autorité et la royauté absolue, subhanahu wa ta'ala. Et ensuite Allah Azzawajal nous dit, et ça c'est la cinquième, ça va être la cinquième preuve citée. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Lorsqu'il nous cite ce verset, ou cette phrase, la phrase de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a tout simplement une question qui va indirectement nous être posée. Si Allah azawajal il est souverain, si Allah azawajal il détient la souveraineté, il détient la royauté absolue, ou al-malik, donc qui peut faire une chose dans sa royauté sans son accord? Sans son accord. Bidoun idnihi, de façon générale. Est-ce que quelqu'un peut, yatasarraf, il peut faire en fait une chose dans la royauté d'Allah Azzawajal sans l'accord d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit shafa'a, que ce soit toute chose de manière générale, sans son idh, sans son autorisation. Et ça en fait c'est une question qui nous est posée indirectement pour que l'on comprenne en fait cette cinquième preuve qu'Allah Azzawajal expose dans cette phrase là et qui nous fasse réfléchir et qui nous fasse prendre conscience de son tawhid. Tawhid Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc pour cette phrase là Inch'Allah, on continuera l'explication le prochain rendez-vous pour les cours parmi les trésors du Coran Inch'Allah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.